Poi il Dani. Oh, on dit là. Entre les sièges sont largement suffisants pour les conditions de confort et les consommations ont été revues à la baisse. Donc les normes de sécurité également. En ce qui concerne le bien équipé,
Nous avons un service après-vente, un service atelier de poster. Avec tous ces impressionnants que nous avons pour une cérémonie de ce genre. Moi, vous ne voulez pas me donner les clés. Les clés de mes voitures. Merci, merci beaucoup. Distinguée personnalité, mesdames, la mise à la de 5 bus posters tout neuf. À la voiture, il fallait, n'est-ce pas, prendre le risque de, auprès de Camille Toyota, un certain nombre de bus. Aujourd'hui, je crois que ces bus sont là et ils vont permettre. Nous souhaitons tout simplement que les populations fassent usage, n'est-ce pas, de ces moyens que nous avons, nous allons mettre à leur disposition. Et on va. Moi je vais descendre. C'est pas mon frère, c'est mais surtout aider la population scolaire à se rendre vers les différents établissements et qu'à la fin des cours, qu'on puisse les ramener chez eux dans de très bonnes conditions. Donc c'est ça l'objectif premier. Et le second, c'est aider les nos vieilles femmes, nos personnes âgées de se rendre vers les centres sanitaires. Et le troisième aujourd'hui, c'est d'aider les populations à se rendre vers les lieux marchands, les marchés, les pharmacies, et que sais-je encore. Voilà donc en gros l'objectif visé, c'est d'aider les populations. Attends le démarrage effectif. Bien, s'agissant du démarrage, nous avons réceptionné les bus aujourd'hui. Nous allons, à partir de ce jour, commencer à faire le dossier pour pouvoir faire ce transport urbain. Et concomitamment, nous engageons un vaste programme de réhabilitation de nos voies par le bouchon nid de poule pour que les bus puissent circuler dans de très bonnes conditions. Donc on peut penser que d'ici la fin de l'année, les bus pourront circuler normalement dans la ville de Garoua. Les lignes ciblées, quels sont les quartiers qui sont concernés? Bien, il y a 6 lignes. Les bus vont traverser pratiquement de part en part la ville. Il y a des lignes qui partiront de Djamboutou, des lignes qui partiront de ce qu'on appelle camp chinois jusqu'à Nassarawo, des lignes qui partiront de du commissariat central vers Djamboutou en passant par les équipements marchands, les marchés. Voilà donc, les bus vont essayer de cibler tous les quartiers, mais les grandes artères essentiellement pour le moment. Quand on n'aura plus de bus, on pourra aller maintenant dans les profondeurs des quartiers.